Y'a comme une chape de plomb qui pèse sur mon esprit. Quand on parle de mauvais oeil, j'y crois pas, mais je frémis. Autant dire que j'ai les voix à chaque fois que ça cause de chétan. Je sais que c'est le but du truc et pourtant, depuis que je suis enfant, on me dit d'un côté, c'est des conneries. Et d'un autre, que je devrais me méfier des choses que je dis, mais si j'avais dû prendre 7 ans de malheur à chaque fois que j'ai cassé toutes sortes de miroirs, je serais dead obligé. J'ai beau penser les superstitions, c'est des foutaises, pourtant sur mon maillot, c'est gravé. Je sais qu'il faut s'affranchir des chaînes de ses croyances, car beaucoup en font leur beurre et je t'assure ce n'est pas du rince. Le bien le mal qui s'affrontent dans un combat mystique, je suis sceptique, surtout quand c'est un curé qui m'explique. Je fais confiance à mon bon sens, il sait rester sensé. Mon scepticisme sera ma survie en ce siècle de cinglé. C'est en apostat que je signe cette missive sur ce qui me fout la frousse à mes trousses, les superstitions qui restent collées dans la tête de toutes et de tous. J'ai eu peur pendant longtemps mais maintenant c'est fini. J'ai ce que j'ai à craindre, ce ne sont pas les mauvais esprits. J'ai ouvert les yeux sur les vrais dangers de la vie et constaté qu'on ne les combat pas avec des gris-gris, oui. J'ai eu peur pendant longtemps mais maintenant c'est fini. J'ai ce que j'ai à craindre, ce ne sont pas les mauvais esprits. J'ai ouvert les yeux sur les vrais dangers de la vie et constaté qu'on ne les combat pas avec des gris-gris, oui. Enfin, j'étais le roi des pétochards, toujours à avoir peur du monstre tapis dans le noir. Je me disais que si j'arrivais pas à rester réveillé, le lendemain c'est sûr, je serais déjà digéré. Tout film sanglant, trop impressionnant pour l'enfant que j'étais. Persuadé que la vie c'était comme à la télé. On pouvait me dire que c'était pas la réalité, rien n'y faisait, pour moi ça avait l'air trop vrai. Je dormais armé d'un opinel juste au cas où je me réveille avec un vampire accroché au cou. Une sorte de loup-garou prêt à me croquer, avec ses yeux rouges rivés sur mon ventre gonflé. Ses craintes m'ont accompagné pendant un moment. Comme on se foutait de ma gueule, je n'en parlais pas souvent. Je restais prudent, prêt à me filer à chaque instant contre tout type de mort-vivant. J'ai eu peur pendant longtemps mais maintenant c'est fini. J'ai ce que j'ai à craindre, ce ne sont pas les mauvais esprits. J'ai ouvert les yeux sur les vrais dangers de la vie et constater qu'on ne les combat pas avec des gris-gris, oui. J'ai eu peur pendant longtemps mais maintenant c'est fini. J'ai ce que j'ai à craindre, ce ne sont pas les mauvais esprits. J'ai ouvert les yeux sur les vrais dangers de la vie et constater qu'on ne les combat pas avec des gris-gris, oui. Je me méfiais des zombies mais c'est la galère qui m'a mordu. Et bien fort en plus, j'ai même cru qu'elle me lâcherait plus. Je l'attendais pas et la voilà venir frapper chez moi. Et je peux te dire que j'ai plus flippé que devant Dracula puis. J'ai vu que je casserais pas ma pipe comme dans un film d'horreur. Donc j'ai nourri ma peur de CRS et inspecteur puis. J'ai vu qu'on ne pouvait se rebiffer à foison sans pour autant voir Navarro débarquer à la maison. Et les trahisons font autant flipper que les investigations et perquisitions pour que je finisse en détention. Mais je suis hors de ça, car au-dessus de moi y'a pas plus de menaces que d'hélico de la DEA. Madame Oclès et ma paresse, peut-être bien que la tienne aussi. C'est de ça que je flippe, c'est aussi de ça que je me méfie. Je sous-estime pas notre capacité à nous foutre de tout. Je sais que le plus grand danger pour nous, c'est nous. J'ai eu peur pendant longtemps mais maintenant c'est fini. J'ai ce que j'ai à craindre, ce ne sont pas les mauvais esprits. J'ai ouvert les yeux sur les vrais dangers de la vie et constaté qu'on ne les combat pas avec des gris-gris, oui. J'ai eu peur pendant longtemps mais maintenant c'est fini. J'ai ce que j'ai à craindre, ce ne sont pas les mauvais esprits. J'ai ouvert les yeux sur les vrais dangers de la vie et constaté qu'on ne les combat pas avec des gris-gris, oui. Duh.